Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage au sort de mes 1000 abonnés. Alors comme vous pouvez le voir un petit peu, parce que c'est pas facile de cadrer, j'ai quand même décoré mon petit plan de travail pour les fêtes et puis pour vous présenter le tirage au sort du concours des 1000 abonnés. Donc tout d'abord je tenais à toutes vous féliciter et, parce que vous m'avez fait déjà des belles choses et même de superbes créations et franchement vous avez bien, bien travaillé si on peut dire. Déjà donc d'une part merci beaucoup et franchement je suis super contente de tout ce que vous avez pu me faire parce que c'est incroyable. L'imagination et le style de création différent que j'ai eu et je suis franchement très 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 contente. Donc je vous remercie toutes et donc ça me touche vraiment beaucoup. Voilà pour la première chose. La deuxième chose, j'ai reçu deux dernières participations ce week-end, donc samedi. Donc voilà la première. Ouais, je vais vous les présenter comme j'ai présenté les autres. Donc une belle enveloppe dans les tons blancs et argentés. La paillette. Alors, c'est une. Si je fais tomber. Voilà, alors c'est une création qui me vient de Laure. Laure qui m'a écrit un superbe courrier. Voilà, donc déjà je te remercie pour le petit courrier. Donc c'est une carte, j'ai perdu le nom de la carte, c'est une carte on va dire lanterne, puisque avec la bougie et le papier vellum, ça donne ça. La carte est superbe, elle est donc dans le ton argenté et blanc, donc avec du vélum, avec la petite bougie, voilà. Et donc le fond est en vélum, il est même argenté, parce que je vois qu'il y a des petits flocons, des petits flocons, on va dire, qui sont faits en. Je pense que ça doit être fait à la main. Alors je sais pas si. Voilà, là vous allez bien voir. Donc on voit quand même les flocons et puis les petits points qui donnent l'effet neige. Donc j'espère que vous voyez bien. C'est un super effet. Donc voilà. Et au dos, j'ai glissé une autre carte où c'est écrit Joyeux Noël. Donc une petite carte toute simple avec le fond qui est tamponné et puis un petit ruban argenté. Donc ça, c'est Laure qui m'a envoyé ça. Donc merci beaucoup Laure. Merci beaucoup Laure. Je te fais de gros bisous. Je te souhaite bonne chance pour le tirage au sort qui va avoir lieu dans pas très longtemps. Oui, dans quelques instants. Et je te fais de gros bisous. Je l'ai peut-être déjà dit, mais c'est pas grave. Je suis touchée par toutes ces créations. Donc voilà, je manque de mots, on va dire. Ensuite, ça c'est Carole qui m'envoie ça. Donc il y a une carte escalier. Donc dans les tons rouge et vert, qui est super joli, avec deux petites pochettes dans lesquelles je pourrais glisser des petites étiquettes. Voilà, donc c'est une petite carte toute simple, mais très jolie. Et ensuite, alors là j'ai défait le nœud, donc c'était noué par un joli ruban rouge. Le ton un peu vintage, c'est dans les tons marron, avec une jolie arabesque dans les coins. Quand on ouvre. Alors j'ai déplacé parce que j'ai regardé avant de vous montrer. Donc à la base, je vais vous montrer comment c'était quand j'ai ouvert. Voilà, c'était comme ça. Donc il y a une sorte de petit ATC où c'est marqué. Alors je vais le mettre comme ça peut-être. Voilà, pour que vous puissiez bien voir. Voilà, il y a le chiffre 1000, un joli flocon. J'espère que vous verrez bien. Voilà, c'est une petite carte en fait. Ça ressemble à un ETC, mais un peu plus grand. Et puis donc,
là, il y a un grand tag avec des jolis flocons pardon, et des demi-perles, joyeux Noël. Puis au dos, je pourrais soit écrire un petit mot, soit mettre une photo, et puis je glisserai là avec d'autres photos dans votre pochette. Donc l'autre pochette, les deux pochettes sont décorées avec des flocons, et puis ouais, ça peut faire une petite étoile. Mais bon, c'est super. Le coin aussi qui est très joli, le coin arabesque comme sur la couverture, que je trouve très joli. Donc voilà. On passe donc à la pochette de gauche pour moi et je pense que c'est à droite pour vous, avec donc un petit livret qui peut servir de mini-album. Voilà, donc avec un petit chapeau de Noël, une petite étiquette. Alors ça brille, je ne sais pas si on voit, voilà, peut-être là. Donc quand on ouvre, il y a plusieurs petites pages. Donc les pages où sont glissées à l'intérieur un petit sachet de thé au citron. Donc il y a plusieurs pages. Donc deux où l'on peut glisser des petits sachets de thé, tisane, ce que vous voulez. Donc moi j'ai un thé au citron et une tisane à la camomille, à la mélisse et à la lavande. Ça, c'est pour bien dormir. Voilà, donc pour le petit livret qui, lui, est glissé dans la petite pochette. Du moins, la plus grosse des pochettes. Et puis, donc, au dos se trouve une autre pochette où, quand j'ai ouvert, j'avais glissé la petite étiquette dans mon sens. Voilà, comme ça je pourrais glisser, si je rajoute des étiquettes, je les glisserai à l'intérieur. Donc voilà, ça c'est de la part de Carole. Et ça j'ai reçu les deux en fin de semaine, du moins même samedi. Donc voilà, je voulais vous les présenter avant de tirer au sort. Alors je vais passer au tirage au sort, mais je tenais quand même à vous remercier encore toutes les deux. Je vous fais de gros bisous parce que c'est vraiment très joli. Je vous l'aurais dit encore une fois, franchement j'ai été vraiment très gâtée et je vous dis, je suis encore toute émue parce que je pensais pas avoir autant de participants puisque j'en ai eu 14. Donc pour mon concours des 1000 abonnés, je trouve quand même que c'est un bon chiffre. Donc merci beaucoup à vous toutes, vous avez vraiment fait de superbes créations. Je ne sais pas si je me répète ou bon, c'est pas grave, je veux que vous le sachiez et je n'ai pas d'autre moyen que les mots pour vous le faire passer, mes sentiments. Donc voilà, merci encore et maintenant on va passer au tirage au sort. Alors pour le tirage au sort, je n'ai pas de main innocente puisque vu l'heure à laquelle je fais ma vidéo, il dort. Donc c'est moi qui vais tirer au sort. J'ai préparé mes petits papiers. Donc vous êtes 14, normalement il devrait y avoir 14 petits bouts de papier avec vos prénoms dessous. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc je vais commencer le tirage au sort par la troisième gagnante, puisque je vous avais dit qu'il y aurait trois gagnantes. Donc mon premier petit papier sera la troisième gagnante. Ça me fait un peu penser au Miss France. Je ne sais pas pourquoi, mais bon voilà. Donc je mélange bien. Je ne veux pas dire que je vais fermer les yeux parce que voilà, de toute façon, on va passer marqué dedans. Et je vais tirer mon premier papier. Voilà. Donc je vais compter. Et le premier, ce sera Anne Pascal. Donc ça sera la troisième gagnante. Toi, tu auras un petit lot. Parce que tu seras. Tu auras un petit lot puisqu'il y aura trois lots. Donc voilà, tu es la troisième gagnante. Maintenant, je remélange. Je vais durer un peu de suspense. Ça va être bon.
Voilà, alors la deuxième. La deuxième, ce sera Sylvie. Donc, la troisième, la deuxième. Maintenant, on passe à la première. Je mets l'onde bien. Et donc, ce sera Ariel, la gagnante, la première gagnante. Donc voilà, je vous redonne l'ordre. Anne, Pascal, Sylvie et Ariel pour la première gagnante. Voilà, donc félicitations à toutes les trois. Je suis très contente pour vous. J'espère que vous serez aussi. Donc, bravo à toutes les trois. Et donc, je vais vous montrer quand même, je vous remontre ce qu'elles ont fait, ce qu'elles m'ont envoyé. Comme participation. Donc voilà, je vais vous remontrer ce que les trois gagnantes ont fait. Donc je vais commencer par la troisième, donc Anne-Pascal. Alors Anne-Pascal qui m'avait bien gâtée, puisque les chocolats, j'en ai déjà mangé quelques-uns. Elle m'avait fait cette jolie boîte avec un joli pliage. Bon, il y a encore chocolat là, je ne l'ai pas mangé, mais ça va pas tarder. Donc, vu que j'ai eu du thé ce week-end, mon petit chocolat avec le thé, ça ira très bien. Donc, ça c'est la participation d'Anne Pascal. Donc, elle m'avait fait cette jolie boîte. Ce petit album, alors je l'ouvre vite fait. Voilà, donc... ça de côté, ça voilà ici, donc un petit album bien sympa d'ailleurs je trouve, sur le thème de Noël, dans les tons rouge et vert, avec un petit ATC, ensuite un joli tag avec l'inscription Merry Christmas, oh j'ai l'accent aujourd'hui. Voilà, et puis donc là il se déplie, donc là vous voyez pas, donc je vais faire là, voilà, il se déplie comme ça en haut et en bas, donc avec deux jolies petites décos en bois, Noël et puis ça va être du bois, et le petit bonhomme au pain d'épices, donc je vais le fermer dans le bon sens, non, c'est pas dans le bon sens. Alors, ben si c'était dans le bon sens, je vais y arriver. Voilà. Et voilà. Et avec la super petite déco en bois. Que je mettrai aussi dans l'album, je pense. Et c'est très joli, la petite déco avec le petit Père Noël dans sa locomotive. Elle est super sympa. Donc voilà. Ensuite, elle m'avait fait une enveloppe avec... quelques découpes, alors je ne vais pas secouer parce que elles tombent du sac. Voilà, des petites découpes sur le thème de Noël et puis des étiquettes et un peu de tout dedans. Enfin, il y a une petite biche qui saute, donc je vais vite la remettre dedans. Ça, c'est Anne Pascal. Alors, la deuxième gagnante, il s'agit de Sylvie. Alors Sylvie qui elle m'avait fait une jolie carte avec un super tampon, j'adore cette petite fille, hein, vraiment très jolie et voilà avec les décos sur le thème de Noël, le petit mot à l'intérieur et la jolie boule de Noël qui est décorée, donc voilà pour la petite carte de Sylvie, que je ne me trompe pas. Un joli marque-page avec le chiffre des 1000 abonnés. Et donc celle-là, elle va finir dans mon bouquin. Moi, bon, celui-là, ce marque-page. Alors, il y a aussi une petite pochette. Elle avait mis dedans des tags en 3D, des petites fleurs en 3D. Une fleur, alors elle est collée là, mais je la mettrai pas, je vais peut-être l'utiliser autrement. Une petite fleur en métal.
Donc, à l'intérieur, il y avait aussi deux petites fleurs en 3D et des petites cartes qui peuvent me servir pour décorer mes albums. Donc voilà la participation de Sylvie et la grande gagnante de mon concours. Donc il s'agit d'Ariel. Elle m'avait fait une très jolie carte dont les tons rose et blanc avec. Donc là, il y a mon petit mot. Donc la petite carte, je pense que ce sont des tamponnages. Donc c'est sur la table de Noël. Et franchement, rose et blanc, c'est très joli, j'aime beaucoup. Un petit memory dex sur le thème de Noël aussi. Avec un joli feuillage, qui est très fin, il est joli. Et puis la petite biche sur le memory dex. Je ne me trompe pas, c'est bien un memory dex. Et un joli ATC, alors avec le petit mot Noël, avec les petits bonnets, qui est très sympa d'ailleurs. Alors je sais pas, tu me diras si c'est un tampon ou pas. Et si jamais tu as la marque du tampon, je serais intéressée si c'est un tampon. Voilà, ça c'est un petit ATC. Le tout est tout assorti. Les couleurs sont très jolies. J'aime beaucoup le rose et le blanc. Alors cette année, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais mon sapin est rose et blanc. Ça change un petit peu du rouge et lèvres, du, on va dire, bariolé, mais voilà. Donc merci à toi, merci beaucoup, parce que c'est superbe et tout me plaît. Je n'ai pas d'autres mots pour te dire ce que j'en pense. Tout me plaît, voilà. Donc c'est toi la grande gagnante. Je t'enverrai, alors, je vous enverrai à tous les trois votre petit lot. J'espère avoir le temps cette semaine. Dans tous les cas, je le ferai partir rapidement. Je vous enverrai un petit mail puisque j'ai vos mails. Petite chose, renvoyez-moi quand même vos adresses perso, mais je dois les avoir gardées normalement. Mais au cas où, je vous les redemanderai aussi par mail. Voilà, donc félicitations encore à vous trois. Bravo pour toutes ces créations, encore une fois, à vous toutes. Je vous souhaite un joyeux Noël, malgré une année un peu bizarre, on va dire l'année 2020, je crois qu'elle est à marquer d'une croix, pour tout le monde. Donc je vous souhaite quand même un joyeux Noël, de bonnes fêtes de fin d'année, et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. N'oubliez pas aussi de vous abonner, de liker la vidéo, et surtout d'activer la petite cloche si vous voulez être au courant des dernières notification. Voilà, joyeux Noël à vous toutes. Bye bye.